L'Allosaure, un spécialiste de l'embuscade. Un monstre d'une tonne et demie dont la morsure est fatale. Les camptosaures l'ayant repéré, il a manqué son attaque surprise. S'il ne veut pas mourir de faim, il va devoir affronter le stégosaure, le dinosaure le mieux cuirassé de son temps. Pas question de risquer un coup de queue. L'allosaure doit tenter une attaque frontale. Il existe des preuves irréfutables de ces combats. Des fossiles de ces deux géants exhumés en 2005 présentent des cicatrices qui parlent d'elles-mêmes. Exemple, cette plaque osseuse de stégosaure dont un morceau a été arraché. L'entaille en forme de U correspond bien à la mâchoire d'un allosaure. Plus étonnant encore, cette vertèbre d'allosaure qui a subi un énorme choc, sans doute infligé par la pique d'une queue de stégosaure. Le coup a été tel qu'il a transpercé l'épine dorsale de l'allosaure. Autre surprise, l'os atteint présente des traces de cicatrisation. Cet allosaure a survécu.